Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs, de nouveau sur TV et radio de Vie. Bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Conduis-nous par ton esprit. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père. Amen. Voilà, donc, euh, ce soir, c'est une série de questions. C'est hein, euh, une série de questions qui sont posées. Nous allons y répondre avec la parole du Seigneur. Et euh, en moins de 15, en 15 minutes ou moins de 20 minutes. Voilà, donc, deuxième question. Alors, bonsoir. Bonsoir. Et frère je vais... Est-ce que vous pouvez nous parler de, de qu'est-ce que l'amour de Dieu finalement avec tout ce qu'on entend de gauche à droite Qu'est-ce que l'amour Voilà, très bonne question, euh, mon frère Serge. Et euh, qu'est-ce que l'amour Effectivement, nous sommes dans une génération où il y a euh, une confusion. Hein, euh, vous savez, l'homme est un être très sentimental et euh, l'homme confond euh, l'amour et euh, les sentiments humains. Hein, donc, euh, en français, il y a juste un terme qui parle d'amour, c'est l'amour. Voilà. Mais en, en hébreu ou en grec, il y en a plusieurs. Et, euh, et ça, c'est quand même important de, de souligner cette, euh, cette différence qu'il y a entre la langue française qui n'utilise qu'un seul terme pour parler de l'amour et le grec qui euh, utilise plusieurs mots euh, pour parler de l'amour, euh, tels que philéo pour parler de l'amour filial, hein, le mot euh, agapé euh, pour parler de l'amour, euh, l'amour désintéressé, l'amour divin. Donc, euh, cette différence est quand même importante. Et, euh, et c'est important de connaître un peu euh, cette, cette nuance qu'il y a entre ces différents termes grecs qui parlent de l'amour. Alors, euh, rapidement, nous allons prendre un passage pour d'abord présenter aux gens, aux frères et sœurs, euh, quelqu'un qui est présenté dans les Écritures comme étant l'amour. Donc, 1 Jean, chapitre 4, le verset euh, 8. Alors, on va aller dans le grec également tout à l'heure, le texte sur votre le texte sur le tableau, sur la droite, hein, à la droite de votre écran, euh, c'est le grec, c'est le texte, est reçu. Alors, on va lire ce passage. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité. Voilà. Donc, celui qui n'aime pas, hein, pas son prochain n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité. Donc, on va cliquer sur le commentaire qu a, que nous avons mis sur le 1, d'abord. Voilà. Donc, c'est le, euh, euh, le mot agapé, hein, le grec. Donc, vous voyez bien que et, euh, il y en a plusieurs, hein, plusieurs mots. Donc, ici, c'est agapé. Donc, c'est pour cela que nous avons préféré garder le mot charité euh, par rapport à euh, phileo, qui a été traduit par amour hein, dans d'autres passages. Voilà. Donc, pour même marquer la différence entre les deux termes. Et euh, agapé. Donc, on nous dit que Dieu est agapé. Donc, c'est l'amour le plus important, c'est l'amour divin, c'est l'amour transcendantal, l'amour qui, mes amis, euh, euh, ne, ne vient pas des hommes. Voilà. Donc, on nous dit que c'est Dieu qui est cet amour-là. Voilà. Et, euh, et euh, ensuite, on va voir dans le, le grec, bien sûr. On va confirmer dans le grec. Hein, donc, on va aller sur le texte à côté, vérifier euh, le, 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 le mot agapé. On va cliquer. Donc, c'est pas ce mot là voilà donc et, euh, là nous avons euh, euh, le mot grec hein, agapé euh, l'affection c'est un euh, voilà euh, c'est vraiment l'amour euh, euh, l'amour divin tout simplement alors d'abord on nous dit que Dieu est amour Dieu est agapé ça c'est la première définition de l'amour l'amour est Dieu Dieu est amour. L'amour est un être vivant qui parle, qui s'exprime, qui pense, qui, qui ordonne, qui contrôle toutes choses, qui gère toutes choses. C'est ça l'amour. Et euh, ensuite, l'amour, c'est aussi euh, euh, un, euh, un sentiment et, euh, que Dieu répand sur les cœurs des gens. Et euh, nous sommes dans Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne confond pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà, donc là, on voit maintenant, premièrement, on a vu que l'amour, c'est d'abord Dieu. Et deuxièmement, on voit que l'amour, c'est aussi un sentiment, un sentiment qui peut être répandu. Et là, effectivement, on nous dit que l'espérance ne confond pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, on voit bien que l'Esprit de Dieu est cet agent, cette... Euh, cette force que Dieu nous donne, c'est en même temps Dieu lui-même, hein, et c'est Dieu qui répand cet amour-là. Donc, c'est l'amour agapé qui est Dieu et qui est répandu comme sentiment dans les cœurs. Donc, il est question du cœur parce qu'on doit aimer avec le cœur. Voilà, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Donc, euh, et, euh, on ne peut pas l'avoir cet amour-là si on n'a pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas l'avoir si on n'est pas en relation avec Dieu. Donc, parce que c'est l'amour divin. Et nous allons rapidement dans, euh, dans Genèse chapitre 22 verset euh, à partir du verset premier. Or, il a là, un... là pardon on va Genèse 22 et en même temps dans le grec on va surtout du grec sur le ta, sur, le, voilà, on, sur le tableau de, de droite on va chercher les en, en hébreu non sur le tableau de droite voilà. On sort là, là, deux, non, là, voilà, on descend totalement, totalement, voilà, on clique là, on va aller voir les textes hébreux. Voilà, Genèse 22. OK, on peut y aller. Genèse 22, verset 1. Or il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et Dieu lui dit Prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham, donc, s'étant levé de bon matin, s'éla son âne et prit deux de ses serviteurs avec lui, et Isaac son fils. Ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Après quoi, nous reviendrons auprès de vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici Abraham, c'est le Père de la foi. D'accord Et on nous dit que cet homme, selon les Écritures, va attendre plus de, plus de 25 ans hein, pour avoir euh, son fils Isaac. Il a eu à l'âge de 100 ans. Abraham nous dit les écritures nous disent les écritures était fatigué il était mes amis impuissant sexuellement Sarah était doublement ménoposée et les deux n'avaient plus de désir sexuel et Dieu dit à ce couple voilà malgré votre vieillesse eh bien vous aurez un enfant donc vous vous imaginez ils ont attendu plusieurs années pour l'avoir et une fois qu'ils l'ont eu bien bien évidemment ils l'ont beaucoup aimé et Dieu a vu cela et Dieu dira à Abraham par la suite prends cet enfant là justement celui que tu aimes celui que tu aimes, et offre-le-moi en holocauste. Et remarquez, Abraham n'a même pas résisté, n'a pas contesté, et il est parti offrir effectivement son fils. Vous voyez Et qu'est-ce qu'on y voit là On y voit ici la démonstration de l'amour qu'Abraham a eu pour Dieu. Pour Dieu. C'est-à-dire, il aimait Dieu plus que son fils et ça l'a amené à quoi à adorer voyez et la parole nous dit que abraham selon romain avait foi en dieu alors que avant abraham il n'y avait aucun, aucun exemple d'une personne morte qui serait ressuscitée ça n'existait pas, pas. c'était après la résurrection est venue après abraham mais avant abraham il n'y avait personne de euh, mort et ressuscité. Donc Abraham n'avait aucun exemple sur lequel il pouvait s'appuyer pour faire confiance au Seigneur, hein, qui, euh, euh, Abraham aurait pu dire, bon, je connais quelqu'un que Dieu a ressuscité de mort, alors je n'ai pas peur de sacrifier mon fils, parce que Dieu va le ressusciter. Aucun exemple, il n'avait. Mais malgré cela, Abraham a eu foi en Dieu. Donc nous comprenons que dans l'amour, il y a la foi. Dans l'amour, il y a l'adoration. Et on va le voir. Et... Donc parce que Dieu est amour, l'amour est aussi un sentiment. Et là, Abraham aimait tellement Dieu qu'il se dit "Ben, je l'aime tellement que je lui fais confiance, qu'il est euh, selon euh, d'après lequel il est capable, n'est-ce pas, de réveiller, de ressusciter mon fils Et c'est ce qu'il a vécu effectivement. Donc il aimait son fils beaucoup, mais il aimait Dieu plus que son fils. Et l'a offert. Donc qu'est-ce que nous comprenons Nous comprenons que la base de l'amour c'est le sacrifice. Aimer c'est se sacrifier et c'est ce que nous comprenons en fait donc aimer c'est se sacrifier et on va le vérifier parce que abraham il aimait tellement dieu qu'il a sacrifié l'enfant qu'il aimait plus le plus c'est isaac était était mes amis la joie euh, d'abraham de, de, isaac était l'enfant de la promesse il aimait beaucoup cet enfant mais il aimait plus le seigneur que son enfant quel amour et il a sacrifié nous sommes euh, euh, donc dans, dans l'amour il y a non seulement la foi Non seulement qu'il y a l'adoration Mais il y a aussi le sacrifice Et ça c'est difficile parce que Personne bien sûr ne veut mourir On ne parle pas de la mort physique bien sûr hein, et La mort par rapport Le sacrifice par rapport, à, par rapport aux choses que l'on aime Par rapport aux personnes aussi que l'on aime Nous sommes dans Jean 15 verset 3 Verset 13 pardon Jean 15 verset 13 Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Ah Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà. Vous voyez Donc, l'amour véritable consiste dans. En fait, l'amour, c'est le sacrifice. C'est ça, tout simplement. Voilà. Donc, quand les gens disent, quand les gens vous enseignent que oui, il faut l'amour. Hein, pour, pour cacher le péché des gens. Non, quand on dit l'amour couvre, couvre une, une multitude, multitude de péchés, on va le voir, on va vous expliquer cela pour, pour, pour vous montrer ce que ça signifie, parce que ça a été mal compris, ce passage. Et euh, l'amour, ce n'est pas la compromission. L'amour, ce n'est pas le fait de se taire et de ne pas dénoncer le mal. Ça, n'est pas l'amour. Ça, c'est la compromission. L'amour véritable, c'est Dieu. Dieu est amour. Vous l'avez compris. Ensuite, l'amour est un sentiment. Il est un sentiment d'adoration. Est un sentiment, mes amis, euh, de soumission vis-à-vis -vis du Seigneur, vis-à-vis -vis de Sa Parole. L'amour est aussi euh, égal aussi sacrifice. Hein? L'amour égal sacrifice. Donc, euh, le sacrifice de nos vies. Hein? Regardez ce que Paul nous dit. D'abord, Jean nous dit que le Seigneur lui-même dit, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. En fait, il parlait de Dieu. Parce que Jean 3, 13 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez, Donc, celui qui aime, il donne forcément. Donc, celui qui dit aimer Dieu, forcément, il va lui donner toute sa vie. Il va lui donner toutes les choses qui le font tomber dans le péché. Voilà. Il va lui donner tout, toutes les choses qui peuvent l'éloigner de Dieu. Aimer Dieu, c'est ça, c'est lui donner, lui donner toute ta vie. Aimer Dieu, c'est dire Seigneur, je ne veux plus pécher, aide-moi et je refuse. C'est ça l'amour. Hein? Ce n'est pas euh, je pêche et, euh, et ça va aller parce que euh, Dieu est amour. Ce n'est pas un frère, un monsieur prêche, un, 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 un pêche, pardon, un, un frère pêche et puis ce pas grave, euh, il ne veut pas changer, mais ce n'est pas grave, on va continuer ensemble parce que c'est un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça l'amour, mes amis, ça s'appelle la compromission. Voilà, donc nous sommes dans. Et euh, je vous disais tout à l'heure, et, et nous sommes dans le livre de donc Jean 3.16, je l'ai cité. Et donc, l'amour, l'amour, l'amour. Et regardez, nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Verset 5. Tu aimeras donc Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ah, tu aimeras donc Yahweh ton Dieu de tout ton cœur. Donc voyez l'amour de Dieu, l'amour est répandu dans nos cœurs, c'est dans Romains 5.5. 5. Et bien justement Dieu veut qu'on qu l'aime de tout notre cœur, pas une, avec une partie de notre cœur, et de toute notre âme. L'âme c'est le siège des sentiments. C'est là que l'on, quand on aime quelqu'un c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau du cœur, voyez, c'est là que Dieu veut. Euh, vient nous toucher, c'est là que Dieu vient, vient euh, faire son travail. Et il veut qu'on l'aime de tout notre, notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Bah oui, la force, parce que quand on aime quelqu'un, bah on y met la force, hein. il y a le zèle, tout ça. Voilà. Et nous sommes dans euh, Exode 20, verset 6. Donc, rappelez-vous bien que aimer, c'est euh, sacrifier, se sacrifier. Exode Donc, on va 20. commencer par le verset 5. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elle, elle ne servira elle, pardon, elle ne les servira point, car je suis Yahweh ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ah, donc Yahweh dit que ceux qui l'aiment gardent ses commandements. C'est terrible ça. Ah oh, oui, c'est ça l'amour. Aimer Dieu, ce n'est pas oh, j'aime Dieu et je me masturbe, je veux prêcher, je me masturbe devant les femmes et je fais n'importe quoi. c'est pas ça, aimer Dieu. Non. Aimer Dieu, ce n'est pas, ah ben, ce frère, il pêche, il fait n'importe quoi, mais on va le couvrir, on va le protéger parce que vous comprenez, eh, Dieu va l'aider en son temps. c'est pas ça l'amour, ça s'appelle la compromission. C'est fermer les yeux sur le péché, c'est participer au péché d'autrui. Non. Dieu dit dans Deutéronome 20, 6, celui qui m'aime, garde mes commandements. Donc, aimer Dieu, ce n'est pas, oh, je chante, j'aime Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas, oh, mais je pleure quand je prie, c'est parce que j'aime Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et nous sommes dans le livre de Jean. On revient à Jean. Mes amis, Seigneur, merci pour ta parole. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit Et euh, Jean 15, 12. Voici mon commandement. Que vous, que, vous aimiez les, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Mmh. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Ah, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande, nous dit le Seigneur, mes amis. Et, euh, et euh, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Voilà, le Seigneur est catégorique là-dessus. Et... Euh, et euh, voilà, donc aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Voilà ce que le Seigneur euh, euh, nous, nous enseigne, mes amis. Et, euh, et euh, voilà, donc nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc vous voyez bien que Jésus-Christ qui dit ici si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est le même Dieu. Hein? Là encore, nous avons la confirmation que Yahweh c'est Jésus, Jésus c'est Yahweh. Parce que Yahweh dit dans Exode 26, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus dit la même chose. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc qu'est-ce que sont ces commandements? Eh bien, tu ne coucheras pas avec la femme d'autrui, tu ne voleras pas, hein, tu ne fermeras pas les yeux sur le péché, hein, tu ne vas pas collaborer avec les, les faux pasteurs, les faux frères, tu ne vas pas marcher avec les moqueurs. Euh, béni béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc tu ne dois pas écouter les conseils des méchants, même s'ils sont plus nombreux que toi. Il ne faut pas écouter leurs conseils. Écoute seulement le conseil du Saint-Esprit parce que Yeshua est le conseiller véritable selon Ésaïe euh, chapitre 9, mes amis. Voilà. Donc ensuite, euh, béni est l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc tu ne vas pas t'arrêter sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Donc il n'y a pas de fédération de pasteurs ou le mélange avec des faux ministères, avec des faux chrétiens. Tout ça, non. Séparation sur séparation, c'est ça la parole, le Seigneur le dit. Je ne suis pas venu pour, amener, pour amener, apporter la paix, je suis venu pour, mettre, pour apporter l'épée, pour mettre la, la division, pour mettre la séparation, mes amis. Et c'est ça l'amour, mes amis, c'est obéir au commandement de Dieu et non au commandement des hommes. C'est ça l'amour véritable, mes amis. L'amour, ce n'est pas, oh, je, je délaisse un peu la parole du Seigneur pour suivre ce que les hommes me disent, pour suivre ce que mes pasteurs, mes collaborateurs me disent. Non, je fais ce que Dieu me dit dans sa parole, même si tout le monde doit me haïr. Le Seigneur a dit, vous serez haïs à cause de mes paroles. Eh bien c'est ça, il faut accepter d'être haï, détesté, à cause de la parole de Dieu que vous aimez, parce que vous aimez le Seigneur. Voilà, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5. Verset, à partir verset 3. Car c'est en ceci que consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. Ah, Jean répète la parole du Seigneur. Hein. C'est en ceci que consiste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste en quoi Ah, euh, l'amour de Dieu consiste dans le fait de garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. pénibles. Voilà ce que la parole nous dit, mes amis. C'est pas moi qui le dis. Aimer c'est garder le commandement de Dieu. Voilà. Aimer, c'est garder le commandement du Seigneur. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Eh ben, tu vas pas avorter. Dieu a dit, tu ne vas pas convoiter. Eh ben, tu refuses la convoitise, même si les pensées viennent, tu dis, Seigneur, je refuse. Dieu dit, tu ne dois pas collaborer avec les pécheurs. Comme la parole le dit, si quelqu'un vient te voir n'apportant pas cette doctrine, ne lui dis pas salut. Jean nous dit dans, trois, dans deux gens là-bas, là, et même dans trois gens pareils. Et, et ben, il, faut, il faut obéir à, à, au commandement de Dieu Jean dit, la parole dit si quelqu'un se dit frère, est impudique est cupide, et menteur il ne faut pas manger avec ben, c'est ce que la parole nous dit, ben, on doit obéir à la parole du Seigneur l'amour c'est l'obéissance l'amour c'est amour l'obéissance et on va finir avec 1 Corinthiens chapitre 13 un passage qui est souvent mal compris par rapport à l'amour à partir du verset premier quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne. Ben, ou... La charité, c'est Dieu. On a compris, hein mm. Dieu est, la chari est charité, selon 1 Jean 4, 8. Donc ça veut dire littéralement, quand je parlerai toutes les langues, de, les langues des hommes, et même des anges, si je n'ai pas Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre. Mm. Hein? Je, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui, qui retentit, parce que Dieu est charité. Donc est... là, il est question ici de l'être. Dieu en tant que être, être vivant, hein c'est plus, il est question de l'être en tant que Dieu, Dieu en tant que être, donc charité, et qui se manifeste par des sentiments de d'amour, de, de sainteté. Tout ça en continu Et quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et la science de toutes choses, et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas Dieu. La charité, voilà, je ne bien, suis rien. C'est bien dit parce que Dieu est charité. Donc les gens pensent que non, vous voyez, alors c'est l'amour. Alors ils font une séparation, ils séparent Dieu et l'amour. Alors qu'ici c'est la charité, c'est Dieu. Amen. Vous voyez, Dieu et Dieu est saint. Parce que quand on dit que Dieu est charité, la parole nous dit que Dieu dit qu'il est saint. Donc l'amour est saint. La charité est sainte. Vous voyez, on continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou Dieu, dire Dieu, cela ne me sert à rien. Ah. La charité est patiente. Donc là, on définit la charité encore. Donc Dieu est patient. La charité est patiente. La voyez? charité, Dieu est douce. Donc Dieu est Et doux. D'accord. La charité n'est pas envieuse. Donc euh, voilà. La charité n'use pas d'insolence. Mm -hmm. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Mm -hmm. Elle ne fait rien de malhonnête. Mm -hmm. Elle ne cherche point son intérêt. Mm -hmm. Elle ne s'irrite pas. Mm -hmm. Elle n'impute pas le mal. Mm -hmm. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Ah, ça aussi, ça c'est quelque chose. Donc la, la charité n'est pas orgueilleuse. C'est-à-dire un orgueilleux, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça la vraie définition de l'orgueil. Un orgueilleux, c'est parce que le premier orgueilleux, c'est Satan. Donc un orgueilleux, c'est quelqu'un qui dit non à Dieu. D'abord, qui dit non à la parole de Dieu. C'est ça, un orgueilleux, au sens propre de la, de la parole. C'est quelqu'un qui dit, qui est contre Dieu, qui est contre la parole du Seigneur, qui se rébelle contre Dieu. L'orgueil, c'est tout ça. D'accord C'est d'abord contre Dieu, c'est d'abord contre notre Père. Et on nous dit que la charité ne cherche pas son, son, son intérêt. Elle ne s'irrite pas, hein, euh, de manière charnelle bien sûr, hein, elle n'impute pas le mal hein, donc, euh, aux gens sans raison. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Ah, ça n'est pas possible quelqu'un qui est injuste, quelqu'un qui couche avec des femmes d'autrui, qui prend l'argent des gens, quelqu'un qui demande des millions pour acheter des terrains pour construire des bâtiments d'église alors que les pauvres n'ont pas à manger. C'est injustice là mes amis et ben, on dit non on dit non on on refuse Voilà quelqu'un qui prend des femmes et qui couche avec qui, qui, qui fait qui, qui est un grand manitou on dit non quelqu'un qui, qui divorce qui se remarie, on dit non mes amis, ça c'est de l'injustice. On va dire, bah oui, mais je divorce parce que ma femme, euh, elle était méchante. Bah oui, mais mon frère, cette femme-là, est-ce que nous, on l'a entendue aussi Non. Il faut aussi qu'on l'entende. Qu'on entende sa version. Voilà. Oh, mais j'étais dans le monde. Ah, bah oui, mais c'est trop facile. Voilà. Voilà. Tout ça, il y a beaucoup d'injustice, mes amis. Non, on dit non. On prend position pour la vérité parce qu'il y a l'amour qui nous anime. C'est ça la, la, la parole du Seigneur, mes amis. C'est ça la parole. Donc, il y a pas. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. On ne peut pas collaborer avec le mal quand on a l'amour. Mais il se réjouit de la vérité. Ah Donc, vous voyez, l'amour est intrinsèquement lié à la vérité. L'amour véritable se réjouit de la vérité. Voilà. cest dire la vérité, c'est quoi C'est la lumière. Voilà. La lumière, c'est dire les choses. C'est dire les choses. Jésus disait les choses. Il disait, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Chez les pharisiens, même quand on l'invitait, il disait la vérité. Et c'est pour cela qu'il a eu des problèmes. Tous ceux qui disent la vérité, en face des gens, pas euh, qui se cachent, qui fuient, qui envoient des mails. Ça, ce sont des, ce sont des, ce sont des menteurs, ce sont des, des voleurs, hein, des impies. Parce que celui qui, est dans la, qui, qui aime la vérité ne, ne fuit pas, il vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées. Nous dit Jean 3, 20. Il ne se cache pas. Voilà. Il aime la vérité, il vient et il dit les choses devant les personnes concernées. C'est ça la parole, mes amis. L'amour, qu'est-ce qu'on nous dit encore Verset 7 Elle couvre tout. Elle couvre tout. Alors, allons vérifier le, le verbe à couvrir ici. On va peut-être taper sur le mot, sur le, 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 le nombre 4 là. Voilà, cou couverture, hein, le verbe couvrir vient du terme grec hein, stego qui signifie toiture, toit, couverture, protéger ou garder en recouvrant. Préserver, couvrir du silence, garder secret. La charité ne rappelle pas sans cesse les erreurs des uns et des autres, mais elle, le fait, elle sait pré préserver son prochain en gardant le secret sur les fautes expiées. Les fautes expiées, on précise bien, hein, le mot grec signifie les fautes expiées, c'est-à-dire quelqu'un euh, quelqu qui tombe dans un péché et qui se repent véritablement, qui reconnaît qu'il a mal agi et qui ne se justifie pas, qui dit oui, je reconnais avoir mal agi, j'ai péché, pardonnez-moi, priez pour moi, aidez-moi. Là, oui, on ne va pas rappeler ses erreurs, mais quelqu'un qui se justifie, eh bien, qu'est-ce qui qu -ce que se passe Paul dit qu'un tel homme soit ôté, hein Ôter du milieu de vous. Mais là où il y a la, la, la confession du péché, eh ben, il y a le pardon. Et le pardon, eh ben, le péché est oublié. Là, s'il y a la confession, on insiste bien. Couvrir, c'est pas couvrir alors que la personne ne veut pas se repentir. Ça, c'est la compromission. Parce qu'on ne doit pas collaborer avec le mal. Il faut qu'il y ait une véritable repentance, une véritable conversion. Dans ce sens-là, oui, l'amour, quand il y a la, la, la confession véritable, l'amour couvre. C'est-à-dire pardonne et oublie. Et euh, toutefois, elle ne saurait se compromettre. Le verset, sur le chiffre nombre 4, mes amis, s'il vous plaît. Toutefois, elle ne saurait se compromettre en ne dénonçant pas les œuvres des ténèbres. Parce qu'effectivement, la parole nous demande de dénoncer les œuvres des ténèbres, de ne pas prendre parti, euh, prendre part, pardon, à, à ces pratiques, à ces œuvres. Voilà. Donc l'amour couvre dans euh, ce sens. L'amour couvre parce qu'il y a la confession, parce qu'il y a la repentance, parce qu'il y a l'abandon du péché. Elle croit tout. Attends, attends, elle croit tout. Là où c'est normal mal compris, euh, elle croit tout ce que Dieu dit mmh. et non tout ce que les hommes disent. Parce que dans un genre, parce qu'il faut faire un équilibre ici, dans un genre, parce qu'il y a souvent on sort des passages hors de leur contexte et on crée des doctrines. Dans un Jean, euh, un Jean 4, Jean dit, bien aimé, ne croyez pas à tout esprit. Car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Donc l'amour croit, croit, la charité croit tout ce que Dieu dit, parce que Dieu est vérité. Elle espère tout. Elle espère tout quoi tout ce que Dieu promet, c'est toujours par rapport à Dieu. Hein? C'est très important de le souligner. Elle supporte tout. Ben oui, elle supporte tout. Elle supporte tout ce que Dieu nous donne à supporter. N'est-ce pas Toujours dans le cadre par rapport au Seigneur. Dieu te dit, supporte euh, tel frère parce qu'il a un caractère compliqué, ben, tu vas supporter. Supporte la croix, supporte les insultes, supporte le rejet, supporte la, la médisance, supporte les critiques. Eh ben tu supportes. Donc, c'est ça aussi l'amour, mes amis. Voilà. La charité ne périt jamais. Les prophéties seront abolies et les langues se seront. La connaissance sera abolie car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, ce qui est en partie sera aboli. Voilà. Donc, voyez bien que la charité ici est définie véritablement. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle n'est pas envieuse. Donc, on ne va pas envier l'appel de l'autre. Hein, vouloir faire comme l'autre. Ah ben tiens, moi aussi je veux créer un petit centre n'est-ce pas, de formation, on va changer juste quelques lettres et puis ça va, on va garder pratiquement les mêmes mots, hein, parce qu'il y a de l'envie, parce qu'il y a de la, de la copie, hein, c'est du, du plagiat, hein, donc ça c'est pas l'amour, ça s'appelle la jalousie, comme Caïn qui a voulu tuer, qui a tué son frère Abel, parce que ses œuvres n'étaient pas bonnes, parce que celle d'Abel était juste. Vous voyez, tout ça là c'est pas l'amour, c'est la concurrence, c'est la compétition, c'est la chair, et on sait comment ça finit à chaque fois. Donc ça, c'est pas l'amour mes amis, c'est de là. C'est du plagiat. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de nations, malheureusement. Hein? On veut faire comme les autres. On veut copier les autres. On veut faire, euh, prêcher comme les autres. On veut enseigner comme les autres. Chasser les démons comme tout le monde. Non, chacun doit garder, mes amis, son authenticité. Chacun est différent. Nous sommes dans un corps. Nous avons euh, des dons différents. Voilà. Donc, il ne faut pas envier les dons des, des uns et des autres. Envier comment la manière dont Dieu fait avec les uns des autres. Dieu fait ce qu'il veut. Il appelle qu'il veut. Il, il utilise qu'il veut. Il envoie qu'il veut. Qu'il soit blanc, qu'il soit chocolat, qu'il soit noir, qu'il soit européen, qu'il soit chinois, qu'il soit arabe, qu'il soit métis, qu'il soit petit, grand, pauvre, riche, peu importe, Dieu utilise ce qu'il veut. Et la parole nous dit cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde. Donc l'amour, c'est Dieu. L'amour, ce n'est pas je ferme les yeux sur le péché et je ne dis rien. Non, l'amour, c'est je couvre ton péché parce que tu te repentis. Ouais, ça, je ne t'expose pas. Mais là, quand on veut se justifier. Qu'on veut mentir pour continuer à faire mal aux frères et sœurs, ben là on expose, comme la parole le dit, mes amis, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Que Dieu vous garde, mes amis, au nom de Yeshua, et, euh, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix, effectivement, et euh, véritablement. Donc l'amour, la croix, c'est le paroxysme de l'amour de Dieu. La croix, c'est le sacrifice hein, de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, parce que le Père nous aime, nous a aimés. Et c'est ça l'amour donc euh, et euh, que dieu vous garde mes amis donc parce qu'on a reçu l'amour de dieu parce qu'on aime d'abord le seigneur parce qu'on a reçu cet amour de lui on peut aider on peut aimer les autres on peut aimer ses, ses ennemis on peut les bénir on peut prier pour eux mais on, on refuse parce qu'on a reçu l'amour de dieu de se mélanger de se compromettre et c'est ça l'amour véritable parce que dieu est esprit dieu est vérité que dieu vous garde mes amis à tout de suite au revoir